Ce lundi 12 juin au Fouquet, Paris, Sonia Mabrouk a été aperçue sans son nouveau et célèbre compagnon Pascal Obispo, mais entourée de deux célèbres enfants de stars. Tous étaient réunis pour un événement spécial. Ce lundi 12 juin au Fouquet, célèbre brasserie de luxe parisienne, se tenait la remise du prix du livre de l'art de vivre parisien et du trophée du Fouquet à Paris. Un événement auquel de nombreuses personnalités se sont rendues dont Annie Dupéret, Patrick Chesnay, photographié avec un pansement sur le nez, Bruce Toussaint, Eric Nolot, Pascal Legitimu, Jean Descartes, François de Closet, François Cereza, François-Régis Gaudry ou encore Jeanne d'Auteser. Beaucoup de journalistes donc, dont Sonia Mabrouk, entourée de Romain Sardou, le fils du célèbre chanteur, et Douchka, la fille de l'actrice et chanteuse Pascal Petit, qui était également de la partie. Pas de Pascal Obispo à l'horizon donc pour la journaliste d'Europe 1 et Knou, alors qu'ils sont pour rappel en couple depuis peu de temps. CST Paris Match qui avait révélé cette information dans son numéro du 25 mai dernier. Nos confrères avaient repéré les deux personnalités complices dans les rues du Cap Ferret. Ils affirmaient ainsi que les deux stars forment désormais un couple. Le magazine revenait également dans cette nouvelle édition sur ce soir du 12 avril, où le chanteur s'est rendu jusqu'à la salle Gaveau, située dans le 8e arrondissement de Paris, pour assister à une conférence que sa future dulcinée donnait aux côtés du philosophe Michel Onfray. Il était aux premières loges de cette soirée, caché derrière ses lunettes sombres, écoutant religieusement les deux auteurs de viser sur ce qui ouvre à plus grand que soi. Si est donc à partir de ce moment-là qu'il est tombé sous le charme de la journaliste. Plus récemment, l'humoriste Gaspard Proust avait gentiment taquiné Sonia Mabrouk sur les ondes d'Europe 1, sur sa relation avec Pascal Obispo. Je suis tombé pour elle, a-t-il fredonné au début de sa chronique, ce qui est bien évidemment une référence au célèbre tube de l'artiste. De quoi amuser la journaliste, présente pour faire l'entretien politique avec Ségolène Royal, qui lui avait répondu avec un ton ironique, si est-il si subtil. A noter que Pascal Obispo a récemment divorcé de sa femme Julie Hanson après 7 ans de mariage, tandis que Sonia Mabrouk sort également d'une grande relation, elle qui était tombée amoureuse du chef étoilé Guy Savoy.